Bonjour, bonjour à tous, c'est Camille de French Today. Hi, hi everybody, it's Camille from French Today. Et aujourd'hui, je vous parle de ma ville de Paimpol, en Bretagne, en France. And today I'm talking to you from my city of Paimpol in Brittany, in France. Et la vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu différente, car elle sera bilingue. And today's video will be a bit different because it's gonna be bilingual. And why bilingual? Et pourquoi bilingue? Eh bien, parce que j'ai un message important et je voudrais que tout le monde comprenne tout. Because I have... So why bilingual? Because I have a message important, an important message. And I would like everybody to understand everything. Donc, pour la nouvelle année, pour l'an 2021, Olivier et moi, nous avons décidé de faire quelque chose d'un petit peu spécial. For 2021, for the new year 2021, Olivier and I decided to do something a bit different. Et nous avons décidé de partager gratuitement, and we've decided to put for free, notre nouveau livre, our new book, un livre de phrases complet, vraiment très très complet. Ce n'est pas votre cadeau typique. So it's a phrasebook, a very complete phrasebook. It's not your typical freebie. Il y a 13 heures d'audio. There are 13 hours of audio. C'est vraiment très complet. It's really complete. And I'm sure you're gonna love it. Et je suis sûre que vous allez l'adorer. Voilà. Vous pouvez trouver le livre sur frenchtoday.com/free. Vous trouverez le livre sur mon site web, frenchtoday.com/free. C'est en anglais. Voilà. And, non, je continue en français. Et donc, n'hésitez pas à partager ce lien. Partagez-le sur Facebook. Partagez-le sur votre blog, si vous avez un blog. Envoyez un email à vos amis qui étudient le français. So, don't hesitate to share that link. Share it on Facebook, share it on Twitter. Send an email to your French studying friends. Envoyez un email à vos professeurs. Qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? Enfin, tout. Tout ce à quoi vous pouvez penser. Ah oui, si vous avez un blog, eh bien peut-être ajoutez ce lien à votre liste de ressources gratuites. So, where was I? Share it with your teacher, share it with your friends. If you have a blog, add it to your free resources to study French. Voilà, donc profitez de cette offre. Parce que c'est pour un temps limité. So make sure that you enjoy this offer because it's for a limited time. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, donc, je suis à Paimpol, sur le port de Paimpol, avec les bateaux derrière moi. Vous voyez, c'est joli. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, il fait un peu gris. So I am in Paimpol, on Paimpol's harbor. More precisely, with boats behind me. And today the weather is not really beautiful, mais c'est pas mal, c'est joli quand même. But it's not bad, hein? It's pretty still. Voilà. Si vous voulez nous remercier, if you wanted to say thank you, the first thing you can do is share this video, okay? Si vous voulez nous remercier, la première chose que vous pouvez faire, c'est de partager cette vidéo. En général, partager, c'est vraiment la meilleure façon de nous aider. Nous sommes une toute petite compagnie, c'est juste Olivier et moi, c'est tout. Nous ne sommes pas une grande école. Nous n'avons pas de partenaires ou d'investisseurs.
So really the best way to help us is by sharing, talking about us. We are a very, very tiny company. It's only my husband and I, two people. We don't have a big school. We don't have partners or investors. Donc, nous comptons sur vous pour parler de French today. So we're counting on you to talk about French today. Voilà, quoi d'autre? Soyez sûr que vous êtes inscrit à notre newsletter. Make sure that you subscribe to our newsletter. Une fois plus, ce n'est pas la newsletter typique, ok? Il y a une leçon gratuite, une intro bilingue, il y a des tips. Once again, it's not your typical newsletter. There's a free lesson, there are free tips, there's a bilingual intro. Les personnes qui sont inscrites à notre newsletter l'adorent. People who subscribe to our newsletter absolutely love it, so I'm sure you will too. Donc je suis sûre que vous aussi, elle vous plaira. Et puis, bien sûr, je vous invite à vous promener sur frenchtoday.com. And of course, I invite you to take a walk on frenchtoday.com. No, to navigate frenchtoday.com, to stroll it. Nous avons un très grand blog avec plus de 600 articles. Beaucoup d'articles ont de l'audio. We have a huge blog with 600 articles. Many of the articles have audio. Et puis, bien sûr, il y a notre méthode pour apprendre le français, nos livres audio, notre application gratuite. Tout est enregistré en français traditionnel, bien énoncé, facile à comprendre, et aussi en français moderne, plus rapide et plus naturel. And then, of course, there are also our audiobook, our audio method, and our free app. Everything is recorded at two speeds in enunciated, very clear, traditional French, and also in modern French, spoken at a more natural pace and doing the glidings, en faisant les enchaînements, les liaisons que vous entendez maintenant en français parlé, doing the glidings and the liaisons that you now hear in spoken French, et qui sont la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants ne comprennent pas le français, and that are the reason why a lot of students don't understand spoken French, parce qu'ils n'ont jamais étudié le vrai français parlé. Ils connaissent seulement le français formel, le français écrit, le français très, très prononcé, très énoncé. They only know the very formal, traditional, written French, and a French that's overly enunciated. Et ce n'est pas la vérité du français aujourd'hui. And it's not the reality of French today. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. I'm telling you goodbye and see you soon for another video. Ah, une dernière chose. Ah, something, a last thing. Peut-être que vous ne voyez pas mes posts sur votre page. Maybe you don't see my post on your feed. C'est parce que vous n'interagissez pas avec ma page. It's because you don't interact enough with my page. Si vous ne laissez pas un petit pouce en l'air, si vous ne laissez pas un petit j'aime, ou si vous ne laissez pas de commentaires, if you don't leave a thumb up, if you don't leave a comment, si vous ne partagez pas mes articles, if you don't share my articles, si vous ne pressez pas sur les liens, if you don't press on the links, Facebook va croire que vous n'aimez pas ma page. Facebook is going to think you don't like my page. Même si vous vous êtes inscrit sur Facebook pour suivre ma page, even though you may have registered on Facebook to follow my page, even if you have, you know, pressed follow, si vous avez pressé suivez cette page, si vous ne réagissez pas, Facebook va arrêter de vous montrer mes articles et mes vidéos. Facebook will stop, if you don't react, Facebook will stop showing you my posts and my videos. Ce serait dommage quand même. It would be too bad, wouldn't it?
Voilà, donc maintenant, c'est vraiment la fin. Je vous dis au revoir, à bientôt. Je vous souhaite une très, très, très bonne année 2021, pleine de succès dans vos études de français et peut-être même un voyage en France, peut-être. So that's it for today's video. I say goodbye and I wish you an excellent year 2021, full of success in your French studies, and maybe, who knows, a trip to France. Maybe, one can hope, on peut espérer. Au revoir, à bientôt sur French Today.